Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la recette des tuiles aux amandes. Il vous faudra 80 g de sucre, 50 g de beurre, 50 g de farine, 2 blancs d'œufs, 40 g d'amandes effilées, une cuillère à café d'orme de vanille ou sinon un sachet de sucre vanillé. Je commence dans un plat par venir verser le sucre en poudre, j'y ajoute les blancs d'œufs. À l'aide d'une mare de ma Maryse, je viens mélanger un petit peu. Ensuite, je viens ajouter la farine et les amandes effilées. Je viens remélanger. Je vais faire fondre mon beurre au micro-ondes. Quand il est fondu, j'attends un petit peu qu'il refroidisse avant de mettre à ma pâte. Et je viens encore mélanger. Donc on obtient une pâte assez liquide, mais un petit peu quand même consistante. Et pour finir, j'ajoute donc mon arôme de vanille et je viens mélanger une dernière fois. Je viens prendre ma plaque du four avec dessus une feuille de papier de cuisson. Et avec ma cuillère à soupe, je viens prendre une toute petite quantité de la pâte. Je viens la verser donc sur mon papier de cuisson. Et après, donc avec le dos de ma cuillère à soupe, je viens l'étaler en rond pour la faire la plus finement possible. Donc il faut que vous commenciez un petit peu à voir à travers le papier de cuisson et ça sera assez fine comme ça. Donc vous faites à peu près un cercle de diamètre de 7 à 8 cm. Vous pouvez ensuite, pour que ce soit un peu plus ressorti, les amandes effilées, en ajouter quelques-unes parsemées au-dessus, mais c'est pas obligatoire. Et je fais cuire à 170 degrés pendant 10 minutes, le four préchauffé à l'avance. Quand les bords sont bien dorés, on peut retirer du four, c'est cuit. Donc une fois qu'on retire du four, il ne faut pas trop laisser attendre, sinon ça va durcir. Donc au bout de quelques secondes, on vient prendre avec une spatule coudée et on vient la poser donc sur notre rouleau à pâtisserie. Et vous venez lui faire la forme, vous voyez, en appuyant un petit peu pour que ça fasse la forme d'une tuile. Donc faites attention de ne pas vous brûler quand vous faites cette opération-là. Donc je la pose et j'appuie sur les deux côtés pour que ça prenne bien la forme. Donc je vous conseille de les faire 3x3 ou 4x4 pour avoir le temps de pouvoir les plier avant que ça durcisse. Et je les laisse entièrement refroidir sur mon rouleau à pâtisserie. Et ensuite voici la forme qu'ils ont pris. Et vos tuiles aux amandes sont prêtes. La recette est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, dites-le moi aussi en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, donc pensez à vous abonner et aussi activer la petite cloche pour ne pas louper ma prochaine recette. Venez me rejoindre aussi sur mes réseaux sociaux, je vous partage un petit peu de mon quotidien et aussi de recettes qui vont venir sur la chaîne YouTube. Si vous voulez d'autres recettes, je vous laisse cliquer sur le côté et moi je vous dis à très vite. Bye!